d'être seul et de se taire. On voit les choses autrement qu'en société, en même temps qu'elle garde plus le flou, elle frappe davantage l'esprit. Les pensées en deviennent plus graves. Elles tendent à se déformer et toujours se teintent de mélancolie. Ce que vous voyez, ce que vous percevez, ce dont société vous vous seriez débarrassé en échangeant un regard, un rire, un jugement, vous occupe plus qu'il ne convient. Et par le silence approfondi, prend de la signification, devient événement, aventure, émotion. De la solitude naît l'originalité, la beauté, en ce qu'elle a dosé d'étrange, le poème, et de la solitude aussi. Les choses à rebours, désordonnées, absurdes, coupables.